centre-ville d'Ottawa, c'est particulier comme quartier où habiter. Ça peut être aussi tranquille qu'on peut l'imaginer, mais ça peut être aussi pas mal excitant. On a les restaurants, la vie des restos, les bars, les festivals. Le développement domicilier a beaucoup changé. Les contracteurs et les jeunes qui travaillent au centre-ville veulent diminuer leur empreinte carbone. Alors, les constructeurs sont conscients de ça et font attention à la façon dont ils construisent. Bien sûr, habiter au centre-ville d'Ottawa, c'est pouvoir profiter de ses atouts. L'endroit et ses environs se prêtent à la marche et au vélo. Et en hiver, il est possible de patiner sur le canal Rideau pour se rendre au boulot. Si on vit à Ottawa et qu'on aime les activités sportives, on peut faire du vélo, on peut travailler à vélo, on peut travailler à bicyclette. On a accès, ça prend 2 minutes, on traverse le pont, on est rendu au Québec et puis on a tout le parc de la Gatineau à nos pieds. Les belles montagnes, le ski est à proximité. C'est vraiment un style de vie agréable. C'est pas toujours facile financièrement parce que cette proximité-là vient avec un coût. Mais je pense que beaucoup de gens veulent le considérer parce que c'est très sécure. Les festivals à Ottawa, c'est toute l'année. Le festival de jazz, le festival des tulipes, le bal de neige, le Blues Fest, le festival franco-ontarien amènent des visiteurs internationaux. En plus, les célébrations remarquables de la fête nationale du Canada mettent du piquant dans la vie. Ottawa, c'est une petite ville tranquille encore, mais on a de plus en plus une saveur urbaine et active.